Quels sont les risques du gingembre pour votre santé? Le gingembre est célébré partout dans le monde pour tous ses bienfaits pour la santé, de soulager les problèmes digestifs à soulager les nausées. Cette racine est chérie depuis des siècles. Cependant, bien qu'il soit souvent salué pour ses propriétés thérapeutiques, il existe des circonstances où le gingembre doit être évité. Dans cette vidéo, nous explorerons les exemples où le gingembre pourrait ne pas convenir le mieux à votre santé, vous aidant à prendre des décisions éclairées sur sa consommation. Comprendre ces situations peut garantir que vous exploitez au mieux les bienfaits du gingembre tout en protégeant votre bien-être. Avant de continuer, veuillez noter que tout ce qui est mentionné dans cette vidéo est vérifié par des faits impartiaux et examiné par des professionnels de la santé qualifiés. Parlons maintenant des 9 occasions où éviter le gingembre. Numéro 1. Trouble de la coagulation. Si vous avez un trouble de la coagulation, il est crucial d'être prudent quant à votre régime alimentaire. Le gingembre est connu pour avoir des propriétés fluidifiantes du sang, ce qui pourrait aggraver les saignements chez les personnes atteintes de troubles de la coagulation. Alors que c'est une épice populaire et un remède à base de plantes pour divers maux, son impact potentiel sur la coagulation sanguine est une préoccupation pour ceux qui sont déjà sujets à des saignements excessifs. Les composés actifs dans le gingembre, tels que le gingérol et l'aculate, possèdent des propriétés antiplaquettaires et anticoagulantes. Ces composants peuvent interférer avec le processus naturel de coagulation du corps, entraînant un saignement prolongé et potentiellement aggravant la condition chez ceux atteints de troubles de la coagulation. Il est vital que les personnes atteintes de tels troubles consultent leur fournisseur de soins de santé avant d'incorporer du gingembre dans leur alimentation. Les professionnels de la santé peuvent fournir des conseils personnalisés en fonction du profil de santé unique de chaque individu et de la gravité de leurs troubles de la coagulation. Numéro 2. Diabète. Le gingembre a été observé comme pouvant abaisser potentiellement les taux de sucre dans le sang. Bien que cela puisse être bénéfique pour certains, cela peut présenter des risques pour les personnes qui contrôlent déjà leur taux de sucre dans le sang en raison du diabète. Des baisses soudaines de sucre dans le sang peuvent entraîner des étourdissements, de la faiblesse et même des évanouissements, rendant crucial pour les diabétiques de surveiller étroitement leur consommation de gingembre. De plus, le gingembre a des propriétés naturelles de fluidification du sang. Alors que cela peut être bénéfique pour les personnes ayant une fonction de coagulation sanguine normale, cela peut être problématique pour les diabétiques qui peuvent déjà rencontrer des problèmes de coagulation sanguine en raison de leur état. Une consommation excessive de gingembre pourrait aggraver ce problème, entraînant des complications potentielles. De plus, certains diabétiques peuvent rencontrer des problèmes digestifs lors de la consommation de gingembre. Le gingembre, connu pour sa capacité à stimuler le système digestif, peut causer des inconforts, des ballonnements ou même aggraver les problèmes digestifs existants. Dans ces cas, cela peut entraîner des complications supplémentaires dans la gestion du diabète, surtout lorsque les troubles gastro-intestinaux peuvent affecter les taux de sucre dans le sang de manière imprévisible. Numéro 3. Problème de vésicule biliaire. Lorsque la vésicule biliaire ne fonctionne pas de manière optimale, elle a du mal à libérer efficacement la bile, qui est vitale pour la digestion des graisses. Le gingembre, étant une herbe naturellement épicée et piquante, peut stimuler la production de bile dans la vésicule biliaire, ce qui peut entraîner des inconforts et aggraver la condition. De plus, étant donné qu'il a des propriétés naturelles de fluidification du sang, le gingembre pourrait présenter des risques pour ceux qui ont des problèmes de vésicule biliaire, car toute complication dans cet organe délicat peut entraîner des saignements et d'autres problèmes de santé graves. Même si le gingembre est célébré pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, les personnes souffrant de problèmes de vésicule biliaire devraient aborder sa consommation avec prudence. Il est conseillé de consulter un professionnel de la santé avant d'incorporer du gingembre dans leur alimentation, car cela pourrait potentiellement aggraver leurs symptômes et entraver le processus de guérison. Optez pour d'autres alternatives apaisantes et favorables à la digestion telles que la camomille ou le thé à la menthe poivrée peut être un choix plus sûr pour les personnes cherchant à gérer leurs problèmes de vésicule biliaire sans les aggraver. Numéro 4. Problème cardiaque.
Pour ceux qui souffrent de problèmes cardiaques, l'utilisation de gingembre pourrait présenter certains risques. Cela est principalement dû à ses effets potentiels sur la circulation sanguine et la pression artérielle. Le gingembre est connu pour posséder des propriétés qui peuvent stimuler la circulation sanguine et améliorer la circulation, ce qui pourrait entraîner une augmentation du rythme cardiaque. Pour les personnes ayant des problèmes cardiaques préexistants, cela pourrait potentiellement aggraver la situation et entraîner des effets cardiovasculaires indésirables. De plus, le gingembre a des propriétés naturelles de fluidification du sang qui peuvent affecter la capacité du sang à coaguler. Bien que cela puisse être avantageux pour certaines personnes, cela pourrait être problématique pour ceux qui ont des problèmes cardiaques et prennent déjà des médicaments anticoagulants. La combinaison de gingembre avec ces médicaments pourrait encore diluer le sang, entraînant des complications telles que des saignements excessifs ou des ecchymoses. Numéro 5. Interaction médicamenteuse. Les personnes prenant certains médicaments doivent être prudentes. Cela est particulièrement important pour ceux qui prennent des médicaments anticoagulants, des médicaments contre l'hypertension artérielle et le diabète. Ils doivent considérer comment le gingembre pourrait interagir avec leurs médicaments. Les propriétés naturelles du gingembre peuvent fluidifier le sang et abaisser la pression artérielle, ce qui peut affecter le fonctionnement de leurs médicaments. Cela pourrait entraîner des résultats inattendus et des problèmes de santé. De plus, les personnes prenant certains médicaments pour la coagulation sanguine, tels que la warfarine ou l'aspirine, doivent être vigilantes quant à leur consommation de gingembre. Consommer du gingembre avec ces médicaments pourrait intensifier les effets fluidifiants du sang, augmentant ainsi le risque de saignement. Pour les personnes prenant des médicaments pour contrôler la pression artérielle ou le diabète, le gingembre peut affecter les niveaux de pression artérielle et de sucre dans le sang, ce qui peut entraîner des changements imprévisibles, compromettant potentiellement l'efficacité des traitements prescrits. Numéro 6. Sous-poids. Le gingembre est souvent célébré pour son potentiel à aider la digestion, réduire les nausées et soulager l'inflammation. Cependant, ses propriétés naturelles peuvent involontairement contribuer à des défis pour les personnes cherchant à prendre ou maintenir un poids santé. La préoccupation principale découle de la capacité du gingembre à stimuler le système digestif. Il peut augmenter la production d'enzymes digestives, ce qui peut entraîner un métabolisme plus rapide. Cela peut entraîner une diminution de l'absorption des nutriments pour ceux qui tentent de maintenir un poids santé. Stimuler leur métabolisme peut rendre plus difficile la consommation suffisante de calories. Le potentiel de suppression de l'appétit du gingembre pourrait aggraver ce problème. Les personnes luttant contre un sous-poids devraient consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour des conseils diététiques. Bien que le gingembre soit bénéfique pour beaucoup, ceux qui rencontrent des problèmes de sous-poids doivent être prudents et explorer d'autres options pour gérer leur poids de manière efficace. Numéro 7. Grossesse. Certaines études suggèrent que la consommation de fortes doses de gingembre pendant la grossesse pourrait potentiellement augmenter le risque de fausse couche. Par conséquent, il est conseillé de faire preuve de prudence et de modérer la consommation de gingembre, surtout au premier trimestre, lorsque le risque de fausse couche est relativement plus élevé. De plus, la capacité du gingembre à agir comme un fluidifiant sanguin pourrait affecter le processus de coagulation, ce qui pourrait poser des problèmes lors de l'accouchement ou de toute intervention connexe. Cela pourrait potentiellement entraîner un saignement accru, créant des défis pendant l'accouchement ou même après l'accouchement. Malgré ses nombreux avantages, le gingembre peut également déclencher des problèmes tels que des brûlures d'estomac et des inconforts pour les femmes enceintes, en particulier celles qui sont sujettes à des troubles gastro-intestinaux. Compte tenu de ces complications potentielles, il est recommandé de consulter un fournisseur de soins de santé avant d'inclure du gingembre dans votre alimentation pendant la grossesse. Tandis que le gingembre peut être un ajout précieux à un régime alimentaire sain pour les femmes non enceintes, sa consommation pendant la grossesse doit être abordée avec soin et sensibilisation, en privilégiant les consultations régulières avec un fournisseur de soins de santé et en maintenant la modération dans la consommation,
ce qui peut réduire considérablement les risques associés. En restant informées et attentives, les futures mamans peuvent prendre des décisions éclairées sur leurs choix alimentaires, protégeant à la fois leur propre bien-être et celui de leur enfant en développement. Numéro 8. Faible pression artérielle. Les composants actifs dans le gingembre, tels que le gingérol et le zérine, sont responsables de ses propriétés uniques. Ces composés agissent comme des vasodilatateurs, dilatant les vaisseaux sanguins et provoquant ainsi une baisse des niveaux de pression artérielle. Pour ceux qui ont déjà des problèmes de tension artérielle basse, la consommation de gingembre peut intensifier ces symptômes, ce qui rend impératif de faire preuve de prudence. De plus, la capacité du gingembre à stimuler la production de certains hormones et neurotransmetteurs, tels que la sérotonine et la norépinéphrine, peut potentiellement contribuer à une baisse supplémentaire de la pression artérielle. Cette réponse psychologique peut avoir des effets néfastes, en particulier pour les personnes sujettes à des baisses soudaines de pression artérielle. Numéro 9. Chirurgie. Lors de la préparation d'une intervention chirurgicale, vous devez tenir compte de certains aliments et suppléments. Ces éléments pourraient interférer avec la réponse de l'organisme à l'anesthésie et à d'autres médicaments. Cette interférence pourrait se produire pendant l'opération. Le gingembre pourrait augmenter le risque de saignements excessifs pendant la chirurgie, compliquant potentiellement le processus et augmentant la probabilité de complications post-opératoires. De plus, le gingembre a une capacité naturelle à affecter les niveaux de sucre dans le sang. Cela pourrait poser un défi pour les personnes diabétiques, car cela pourrait interférer avec leur prise régulière d'insuline. Cette interférence pourrait entraîner des fluctuations des niveaux de glucose sanguin pendant la procédure chirurgicale. Maintenir des niveaux stables de sucre dans le sang est important pour une chirurgie réussie et un processus de récupération sans heurts. Les fournisseurs de soins de santé conseillent généralement aux patients de s'abstenir de consommer du gingembre sous forme de compléments alimentaires, de thé ou en tant qu'ingrédient culinaire, au moins une semaine avant toute intervention chirurgicale programmée. Cette mesure préventive vise à atténuer les risques potentiels et à assurer la sécurité et le bien-être optimaux du patient tout au long du processus chirurgical. Pour résumer, le gingembre est une épice polyvalente et saine avec de nombreux avantages. Cependant, il est essentiel d'être conscient des situations où il est préférable d'éviter le gingembre. Si l'un des problèmes mentionnés s'applique à vous, il est important de demander conseil à un expert médical avant d'ajouter du gingembre à vos repas. Gardez un œil attentif lorsque nécessaire, vous assure de savourer les bienfaits du gingembre sans aucune préoccupation. Si vous voulez en savoir plus sur votre santé, cliquez sur cette vidéo et je vous garantis que vous allez être surpris.